L'université citoyenne a été créée en 1997 par HEM et lors de la création de la fondation HEM en 2012, l'activité a été reprise par celle-ci. L'université citoyenne, c'est une très belle activité où nous organisons un certain nombre de cours, de séminaires gratuits, complètement gratuits, ouverts à tous et sans prérequis pour les participants. Nous lançons 8 cycles dans 8 villes différentes qui sont Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès, Oujda, Tétouan et Agadir. Et chaque cycle comprend 9 séminaires sur 3 thématiques différentes qui sont économiques, managériales, droits humains et société. Et donc c'est ouvert à tous, n'importe qui veut développer ses connaissances, retourner sur les bancs de la classe est invité à venir, à s'inscrire online sur le site hem.ac.ma. Et la nouveauté de cette année, c'est que nous lançons un 9e cycle qui sera en collaboration avec le mouvement associatif Les Citoyens et ça sera un cycle spécialement dédié aux enseignants, particulièrement aux enseignants du secondaire. Pour moi, l'initiative de l'université citoyenne, je lui souhaite plus d'essor, je veux dire qu'elle se déploie davantage. Nous avons déjà pris l'initiative de créer les presses de l'université citoyenne qui nous permettent de publier des ouvrages et j'espère faire grandir cela. Donc je suis le directeur de la collection et il y a aussi les clubs de lecture de l'université citoyenne qu'on a mis en place avec les universités publiques. Là aussi c'est un autre axe qu'on est en train de développer. Donc nous sommes en train d'essayer de faire en sorte que l'université citoyenne développe en même temps des lecteurs, des citoyens, des gens curieux et des gens qui peuvent avoir un impact positif sur leur société. C'est mon travail, je suis directeur de la fondation et je suis directeur du centre de recherche. Donc c'est mon travail de tous les jours. Je suis ici d'abord, après tout mon travail d'écrivain, etc. C'est ce que je fais. Je fais à côté, mais je m'arrange pour que je puisse continuer à être écrivain. Et s'il n'y avait pas cette institution qui m'accueille et qui me fait confiance, peut-être que j'aurais du mal à trouver une institution qui me plaise. Vous savez, HEM est une structure qui respecte la liberté et l'autonomie des acteurs qui travaillent dedans. Donc moi, je me sens libre et respecté dans cette institution.